It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. It's raining men. Hallelujah. It's raining men. Amen. Bonjour mes amours. J'espère que vous allez très bien ce dimanche pour nous ensoleillé. Et oui, encore, de toute façon, chez nous, à Toulouse, il fait beau à peu près jusqu'en, ouais, fin octobre, début novembre, on a toujours du soleil. Ça, c'est cool. En tout cas, il ne pleut pas des hommes chez nous, mais il va pleuvoir des cosmétiques parce que c'est les produits finis. Les produits terminés, il y en a moins que d'habitude parce que du coup, j'ai prévu, je me suis dit, oh, il est temps là de faire la vidéo comme ça. J'aurai pas un monticule qui va m'ensevelir. Voilà. Donc, on va commencer de suite et assez rapidement. Comme d'habitude, si vous avez des questions plus approfondies sur les produits, les choses comme ça, vous me le mettez en commentaire. Je répondrai bien évidemment. Même si là, j'ai un peu de retard sur les commentaires. J'avoue. Je vais y aller ce soir, promis, c'est promis. En tout cas, voilà, c'est parti. C'est parti. Oui. Allez ! Donc, le tout premier produit que j'ai fini, c'est... Phytonet, solution lavante à base d'huile essentielle, nettoyant, désinfectant, multi-usage, toute surface, concentré végétal d'agrumes, certifié par EcoCert, c'est made in France, 500 ml et ça sent super bon les agrumes, fleur d'oranger, citron, orange, citron vert, quoi, vraiment un pur bonheur. J'utilise ça pour toutes mes surfaces à peu près. Et pourquoi j'ai celui-ci et plus le The Laundress, parce qu'à la base j'utilisais cette marque là, mais parce que The Laundress c'est déjà beaucoup plus cher et que je le faisais venir des États-Unis et du coup pour l'empreinte carbone, voilà, alors que ça, la marque Phytonet, qui sont spécialisées en fait dans les huiles essentielles, etc., on trouve ça, moi j'ai trouvé dans mon Carrefour, voilà, ils ont plusieurs choses, ils ont le nettoyant pour les WC, ils ont un nettoyant concentré pour le sol, ils ont des brumes assainissantes pour l'atmosphère que j'ai aussi, quoi, vraiment, c'est une gamme assez complète avec plusieurs senteurs en plus, donc vous pouvez choisir aussi le parfum, voilà, puisqu'ils travaillent avec des huiles essentielles, donc ils vous font des parfums assez sophistiqués quand même, donc moi j'aime, voilà, en plus c'est un gros bidon, ça dure longtemps, ingrédients 100% biodégradables, produits issus de filières agricoles, quoi, vraiment, il a tout bon. Ensuite... Eh bien, j'ai fini encore un savon liquide du docteur Bronner, celui aux agrumes et à l'orange. Vous l'avez compris, j'ai besoin que ça pétille. Voilà, les savons du docteur Bronner, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est multi-usage. Vous pouvez vous en servir pour faire la vaisselle et moi, c'est ce que je fais. Je les utilise pour faire ma petite vaisselle chérie. Vous pouvez les utiliser pour faire la lessive, pour vous laver, pour laver les cheveux, quoi, vraiment top. C'est multi-usage, ça aussi c'est un gros bidon de 475 ml, donc voilà, c'est 100% naturel, il n'y a pas de souci, c'est à base d'huile biologique, certifié commerce équitable, quoi, vraiment, on est ravis. Voilà, et il y a plusieurs senteurs aussi, là, celui que j'ai en ce moment, c'est menthe poivrée, pour ma vaisselle. Et oui, je chouchoute un peu ma vaisselle, voilà, je lui accorde un peu du luxe, parce que c'est vrai que les docteurs Bronner sont pas quand même donnés. J'ai fini ensuite gel douche, donc 100% naturel, de 100% pur, au miel et à l'amande. Donc le gel douche très liquide, qui mousse bien pour un gel douche naturel. Et par contre l'odeur, une merveille. Alors moi j'utilise très rarement des gels douches. Là je l'avais pris celui-ci en fait pour la salle de sport. Mais sauf qu'en fait à la salle de sport, eh bien, je m'y douche très rarement. Je préfère le faire chez moi. Donc je continue à utiliser mes savons. Et ça en fait je l'ai fini durant mes vacances en Croatie. Et c'était le bonheur. Parce que l'odeur par contre c'est une tuerie. Ça sent la galette des rois. Voilà, si vous aimez la galette des rois, que presque vous mettez la tête à l'intérieur pour trouver la fève, ça, ah ouais, oh là là, ça sent, mais divinement bon. Le seul truc, c'est que moi, le petit truc là, il s'est pété, donc il est coincé là-dedans, donc à chaque fois, j'étais obligée de l'ouvrir. Alors ça, c'était un peu con, hein. Voilà, mais sinon très bien, et c'est un contenant de 236 ml, et surtout qu'en plus, 100% pur, ça se trouve beaucoup plus facilement, et c'est pas très cher. Voilà, et ils ont pareil plusieurs senteurs aussi. Là, qu'est-ce que j'ai fini? Alors là, j'ai fini le Lewa
Oné Enzyme Cleanser, donc qui était un nettoyant moussant au miel enzymatique. Une merveille. L'odeur, oh là là, ça sentait le miel, mais avec des fleurs tropicales. Voilà, je saurais pas le mieux l'expliquer, mais vraiment ça vous faisait voyager dans les îles. C'était un fluide légèrement jaune qui vraiment, on sentait le miel, donc ça collait un peu, donc c'était, on sentait que ça cicatrisait, ça apportait du bien-être. Et dès que vous mettiez un peu d'eau, et bien ça s'émulsionnait un peu en mousse, en lait, vraiment très agréable. Donc dedans il y avait quoi? Donc il y avait du miel, il y avait, attendez que je trouve, parce que vu que c'est écrit en anglais, moi il me faut 3 heures pour comprendre, de la papaye, de la mangue, de l'orange, du calendula, de l'hibiscus, voilà. Et il y avait en fait des enzymes de fruits, voilà, la papaye, il y a beaucoup d'enzymes de papaye, et ça permettait une exfoliation très légère, mais très douce. Donc moi je l'utilisais surtout le matin pour me nettoyer, pour m'apporter vraiment un côté coup d'éclat immédiat, et je laissais même poser une petite minute, voilà. Et ces deux Esli Queen, oui, je vous l'ai pas dit, comme le Dr Queen de la série télé. Ouais, bon, ça, il y a que les vieux qui peuvent comprendre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fini? Oh, j'ai fini une crème que j'adore, la Pink Cloud de chez Herbivore, qui était ma crème de jour. Ah, oh, que j'adorais. Bon, là, elle est un peu fanée, la rose, quand même. Parce que c'est une crème à base d'eau de rose et d'acide hyaluronique. Donc, parfait pour hydrater et pour apaiser à la fois. La texture était vraiment une crème, mais assez fluide, assez légère. Je dirais que c'était presque un fluide plus épais. Voilà. Donc, moi qui ai une peau mixte, ça m'allait totalement. L'odeur de rose est hyper agréable. Bon, comme je vous dis, là, par contre, elle a légèrement un peu fané, la rose, mais vraiment, Herbivore, c'est une de mes marques chouchou que j'aime d'amour. Il y a plein de produits que j'adore chez eux. Vraiment, j'adore cette marque. Donc, n'hésitez pas à y aller parce qu'ils font de superbes choses. Ensuite, j'ai fini, mais ça, on en a parlé il n'y a pas longtemps, un de mes sérums préférés aussi à l'acide hyaluronique pur de chez Tamless. Donc, je vous l'ai dit, Tamless, marque américaine, qui fait des compositions très très courte, c'est presque, ils vous mettent le principe actif pur. Et donc là, c'est de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire, concentré au maximum des possibilités, qui est de 1%. Puisque je le répète, l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire, son maximum dans les formulations, c'est 1%. Au-dessus, ça fait de la merde. Voilà. C'est caca, on peut pas l'appliquer, c'est pas beau, ça pénètre pas, etc. Donc ils l'ont concentré au maximum, et il y a que ça, c'est-à-dire il y a de l'eau, pour voilà, diluer l'acide hyaluronique et un conservateur. Point. Il y a rien d'autre. Donc Tamless, c'est ça que j'aime. C'est des formulations simples, claires et précises pour être efficaces. Voilà, en format pipette. Et je l'ai racheté en grand format parce que ça, c'était un 30 ml. Et vous avez le 60. Et ce que j'aime chez eux aussi, c'est que vous avez les recharges. Donc ça, c'est cool parce qu'après, vous rachetez que les recharges, ça vous coûte moins cher. Et côté écologique, c'est mieux. Ensuite, on enchaîne avec ceci. Pouf, ça, c'est un masque exfoliant à efficace, hein, mais qui envoie du bois. Donc, les peaux sensibles, faites-y attention. Laissez poser que 3 minutes. Voilà, parce que plus, moi, la première fois, je me suis retrouvée avec des rougeurs. C'est Julie de chez The Green Junior Beauty Shop qui ne le supportait pas. Elle, qui a une peau encore plus sensible. Et du coup, elle me l'avait envoyé généreusement. Et je t'en remercie encore pour que je l'essaye. Et effectivement, hein. Il cartonne, le bordel. Donc c'est le Avrani Glow Activating Exfoliator à base de turmeric, d'huile de nîmes et de miel, avec des petites graines à l'intérieur, mais je sais pas de graines de quoi, mais vraiment toutes fines. Donc ça exfolie super bien. Vous avez beaucoup d'éclat, beaucoup de luminosité, les pores hyper resserrés. Donc ça, il n'y a pas de souci sur l'éclat et les pores, ça marche super bien. Mais faut avoir la peau en Kevlar, hein. Franchement, il envoie, donc faites-y attention. Voilà, mais je sais que de toute façon, il est compliqué à trouver pour la France. Donc voilà. Donc entre guillemets, là, je vous présente un truc un peu compliqué. Ensuite, le gel fraîcheur jambe légère de chez Florence Nature, certifié bio, que j'ai adoré, surtout cet été, parce que moi, déjà, vous le savez, je suis tout le temps debout chez Sephora. Je piétine, je piétine, je piétine, et du coup, j'ai les jambes en béton le soir, voilà. J'ai les jambes qui me plombent, donc ça me permettait d'avoir les jambes plus légères et de pouvoir sauter comme un cabri le lendemain matin. Mais c'est surtout que je l'utilisais cet été parce que il faisait grave chaud.
canicule de malade, il faisait 40 degrés, le soir tu te mettais dans ton lit, tu croyais que t'étais dans un four, tu te prenais pour une pizza, quoi, vraiment, tu n'en pouvais plus. Et quand t'as chaud comme ça, tu n'arrives pas à t'endormir. Et ben du coup, quand je mettais ça sur mes jambes, juste avant d'aller dormir, un coup de froid, mais comme si j'avais les jambes plongées dans des glaçons, donc des frissons partout, du coup ma température baissait, et là j'arrivais à m'endormir. Donc, deux en un, ça me permettait d'avoir les jambes plus légères, mais surtout ça m'a aidé à m'endormir pendant ces canicules. Voilà! Non, mais vraiment, super bonne idée pour quand il fait très très chaud et que vous n'arrivez pas à vous endormir à cause de la chaleur, mettez des produits comme ça qui font un effet froid immédiat. Ça marche du tonnerre, moi je m'endormais après à chaque fois. Ensuite, j'ai fini mais justement un produit The Landrest qu'on parlait tout à l'heure. Donc c'est mon assouplissant voilà pour le linge, donc le adoucisseur fabric conditioner qui élimine l'électricité statique et assouplit les étoffes. Le parfum, un bonheur. Ça sent le propre mais sophistiqué parce que The Landrest, voilà, c'est des parfums high level. Donc c'est d'ailleurs pour ça que c'est une marque luxueuse de produits ménagers et que du coup je me ferai de temps en temps plaisir en les rachetant. Mais pas tout le temps. À la base, c'est ce que je voulais faire, mais déjà, comme je vous l'ai dit, l'empreinte carbone, ça le fait pas parce que ça vient des États-Unis. Donc, est-ce que je le rachèterai? Peut-être oui, mais en tout cas pas de suite parce que, voilà, déjà ça coûte cher, hein, ça coûte un peu bonbon, et puis ça vient de loin. Donc, on a des choses en France qui sont tout aussi bien. Ensuite, encore la marque 100% pure qui est une de mes marques chouchou moi et c'est mon savon, voilà, les savons que j'utilise régulièrement ce sont les 100% purs et les Copa Kawaii. Donc là c'est celui à la pêche et c'est des savons à base d'huile de coco, huile d'olive et beurre de karité et beurre d'avocat aussi avec de la vitamine E et du coup là l'extrait de pêche, donc ça sent vraiment la pêche, quand vous l'ouvrez c'est un délice et c'est un savon qui est crémeux à la fois quoi. Vraiment, vous n'avez pas la peau qui tire après, il mousse super bien, il dure longtemps, c'est-à-dire il se finit pas rapidement, il ne fond pas comme neige au soleil, dira-t-on. Mais vraiment, je les aime beaucoup et ils sont pas très chers, ça va. Donc moi à chaque fois je me fais un petit stock de ceux-là. Mais là je compte essayer les... parce que j'ai vu que chez So Natural Beauty... chez Laetitia, elle a rentré la marque Savon Stories, marque anglaise, et j'ai envie d'essayer. Donc peut-être les prochains savons, ça va être ceux-là. Voilà. Et bien, il y en a encore un. Donc pareil, toujours les savons de 100% pur, mais là, cette fois, c'était au citron. Vous avez compris hein, que les agrumes, soit moi le côté très sucré, soit le côté très agrumé, très ensoleillé. Voilà, comme un peu moi. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est vous, hein. Vous dites que je suis solaire et lumineux. J'accepte. Il n'y a pas de souci. après, j'ai fini gommage au marc de café et au cacao de chez Frank Body, qui est une marque australienne. C'est eux qui ont lancé cette tendance de ces fameux gommages pour le corps qui aident à atténuer la cellulite et à relancer la microcirculation sanguine, etc. et à améliorer la texture de la peau avec le marc de café et des huiles végétales. Voilà, alors oui, ce sont mes gommages corps préférés. D'ailleurs, je ne rachète que ça régulièrement. De temps en temps, je peux craquer sur un gommage plus conventionnel avec du sucre, avec voilà, avec qui fait un peu pâte. Mais sinon, je reste sur le marc de café parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, de moins cher et qui est vraiment, en plus, est agréable en termes de sensation. Donc, parce que bon, après, il faut aimer l'odeur du café. Je suis d'accord. Voilà. Mais bon. Mais je craquerai peut-être sur le gommage corps améthyste de chez Herbivore. Parce qu'apparemment, il a l'air de dégommer le cul. Donc, voilà. Mais ça, j'en ai racheté. J'ai la nouvelle version, là, à l'huile de je sais pas quoi. Le dernier qui est sorti chez Sephora de Frank Body. Donc, vous voyez, je suis fidèle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini un lave-main de South of France Natural Body Care. Donc c'était au miel de fleurs d'oranger. Donc tout ce que j'aime, du miel et de la fleur d'oranger. Donc je pouvais vous dire que ça sentait juste super bon. Par contre ça sentait pas la fleur d'oranger comme on l'imagine. Ça a vraiment cette odeur de miel avec une pointe de fleur d'oranger. Voilà.
Très bien, on s'amuse bien, ça sent, les mains sont propres, c'est tout ce que je demande. Et ça, je le trouve sur iHerb et c'est vraiment pas cher du tout. Ensuite, un truc que je n'ai pas du tout aimé, c'est le Super Acai Exfoliator de chez Eco by Sonia, que j'avais eu dans un coffret où il y avait le nettoyant, l'exfoliant et la crème visage. Donc la crème visage, ça allait. Le nettoyant visage, par contre, je l'avais adoré, c'était au citron caviar, une merveille. Par contre, l'exfoliant, oh, j'ai pas aimé. Alors déjà, j'ai pas aimé parce que à la base, c'est un exfoliant pour le visage. Mon cul, il est tellement abrasif, les graines sont tellement fines, il y en a tellement, ça vous arrache la gueule. Je suis désolée. Donc du coup, moi, je l'ai utilisé comme Cléa 2612 l'avait conseillé, c'est-à-dire sur le corps. Mais même sur le corps, j'ai pas aimé parce que déjà, le packaging, une galère pour le faire sortir de là-dedans parce qu'il est tellement compacté que vous appuyez comme un malade pour faire sortir un petit serpentin de rikiki, de rien du tout. L'odeur dégueulasse, alors je sais pas, mais l'odeur j'ai pas du tout, mais du tout aimé. Alors je sais pas si c'est l'açaï qui donne cette odeur là, mais donc c'était à base de sel, d'huile de coco, de la glycérine, l'açaï, du magnésium, du chia, de la vitamine E, quoi. Je sais pas qu'est-ce qui donnait cette odeur, mais une odeur de... Oh, alors attendez. Ah oui, alors là que ça a tourné, c'est encore plus pire. Oh, j'aime pas. Quoi, voilà. Moi, je vous le déconseille. J'ai vraiment pas aimé que ça soit en texture pour l'utilisation, l'odeur, tout. Non, gros flop. Ah, pas du tout. Ah ben, un incontournable. Donc ça, c'était mon bain de bouche oral essentiel. Dit maintenant lumineux, le Clean and Fresh, parce que vous en avez deux sortes. C'est à base de gel d'aloe vera et d'huile essentielle. Super doux pour la bouche, ça donne de la fraîcheur mais sans avoir la bouche en feu. Donc moi ça me va très bien, c'est un gros contenant, ça coûte pas cher et je trouve ça sur iHerb. Donc est-ce que je rachèterai? Oui, vous le savez puisque vous l'avez vu maintes et maintes fois sur dans mes produits finis. Un autre de mes chouchous, alors que je vais racheter très prochainement, et ben c'est la marque encore une fois Herbivore. Donc je ne vous mens pas quand je vous dis que j'adore leurs produits. C'est la crème Moon Fruit Super Fruit Night Treatment, puisque c'est une crème à appliquer que le soir, puisque elle est remplie d'acide de fruits, ce qui permet de lisser la peau, de resserrer les pores, d'avoir une peau photoshopée au matin. Je n'ai jamais eu une peau aussi belle qu'en utilisant cette crème. En plus, elle est magnifique parce qu'il y a un petit côté pour moi chromothérapie, puisqu'elle est de couleur mauve, violette. Donc le soir, ça apaise, ça calme, ça éveille l'âme. Et l'odeur, une merveille aussi, puisque... Oui, bon, là, un peu moins, aussi, c'est pareil, hein, c'est un peu fané, mais ça avait un côté un peu lavande, mais pas la lavande cheap, vraiment une lavande sophistiquée et élégante, et la lavande, eh bien, c'est aussi relaxant et apaisant, donc c'était parfait. Pour le soir, moi, j'ai kiffé, la texture, c'était un peu comme une crème légèrement beurre, mais qui fondait très bien, mais qui ne rendait pas la peau grasse, donc une merveille. Vraiment, là, je vais la racheter très prochainement. Ensuite, de la marque Esli Queen, j'ai fini le Kalahari, qui est la crème concentrée nettoyante, donc avec des fleurs. Il y avait quoi dedans? Alors attendez, je regarde. C'était de l'ylang-ylang, du babassou, du watermelon, du melon, du concombre, quoi, plein de choses, de la glycérine, du beurre de karité, quoi, voilà, une très très belle compo. De toute façon, Esli Queen, en termes de formulation, c'est top, c'est clean, d'archi clean, et c'est vraiment très sophistiqué. L'odeur, j'aimais un peu moins que, par exemple, le nettoyant moussant au miel, donc j'aimais un peu moins. Et après, c'était très efficace, mais j'ai pas eu de coup de cœur. C'est un produit qui m'a laissé, voilà, ça démaquillait très bien, ça nettoyait très bien. Mais voilà, déjà le contenant, je le trouve pas très pratique parce qu'il est assez étroit, donc pour y mettre les doigts ou pour y mettre une spatule, pas très pratique. Et puis, ouais, je sais pas, j'ai pas eu de coup de cœur sur celui-ci.
Voilà, ça arrive. Ensuite, un sérum à la vitamine C que j'ai adoré, qui est le Blue Alchemist Multi-C Sérum, que j'ai pu essayer grâce à la Beauty Rose, parce qu'à la base, c'est un sérum qui coûte une fortune. Il a une très belle couleur orangée, il sent super bon. Il a un côté très aromatique, quoi. Cette odeur, je la reconnais, je la connais, je l'ai déjà senti quelque part. Ça me fait penser à un produit que j'avais déjà utilisé, je ne sais plus lequel, mais l'odeur est tout simplement fabuleuse. Ça permet de se détendre, de se mettre dans une petite bulle, je trouve. Donc celui-ci, je l'appliquais tous les matins. J'en mettais 2-3 pompes et excellent. La vitamine C, vous le savez, ça permet une forte protection puisque c'est un puissant antioxydant. En plus, ça joue sur l'éclat de la peau et sur les petites taches pigmentaires. Moi qui commence un peu à en avoir. Voilà, donc vraiment je l'adore. Si vous avez le budget ou si vous avez la chance de l'essayer, eh bien foncez, parce que très très belle compo aussi, hein. Blue Alchemist, c'est de super produits, mais un peu chez Ross. Ensuite, j'ai fini une lotion, celle de chez Léa Lamy, la Citrum Citrine, donc qui est à base de gel d'aloe vera. Vous avez une petite citrine à l'intérieur pour ce côté, vous savez, énergie des pierres qui diffuse à l'intérieur. Et elle sent super bon, la fleur d'oranger. Oh là là. Donc ça, pendant tout ce printemps-été, je me suis régalée avec. Je la mettais tous les matins et tous les soirs pour avoir une peau humide, pour lorsque, quand je mets mes sérums pénètrent plus en profondeur. Est-ce que je la rachèterai, celle-ci? Ben oui. Pas là de suite, mais oui, c'est une de mes lotions fétiches que j'adore. J'ai fini un dentifrice, mais vraiment fini fini, hein. Donc vous le voyez, je vous le déplie pour vous. C'était le dentifrice Davids Premium Natural Tooth Pads, donc était très bien. C'est ce que j'aime, c'est le fait que le tube soit en aluminium, donc totalement recyclable, et qu'on avait la petite clé pour vraiment ne pas en perdre une seule goutte. Et il avait vraiment cette fraîcheur en bouche. Il est légèrement piquant quand même, mais parfait. Moi, ça m'allait très bien. C'était pas trop non plus. Et c'était une pâte qui se tenait, qui n'était pas trop liquide non plus. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je le rachèterai? Je pense pas, parce que quand même, il est un peu cher. Puis pareil, il vient des États-Unis. Donc, comme je vous dis, je préfère prendre ceux sur... sur iHerb ou tout simplement Le Bon, qui certes sont très chers, mais c'est français. Voilà. Ensuite, eh bien, j'ai fini un de mes déodorants préférés, qui est le déodorant cream au citron de chez Sopwala, donc qui sent très bon le citron, qui est en forme de pâte comme ça, qu'il vous faut prendre et qu'il vous faut masser dessous. C'est un des déodorants les plus efficaces que j'ai pu essayer avec le Schmitz. Est-ce que je le rachèterai? Eh bien, pas vraiment. C'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai pas racheté et que je pense pas le racheter. Pourquoi? Pas parce que je ne l'aime plus, mais pour le côté pratique. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, ça me saoulait de devoir prendre, d'étaler, de m'essuyer les mains, de me laver les mains. Alors qu'au final, avec les Schmitz, eh bien, vous avez juste à passer comme ça avec le stick, ou alors avec mon Silt of the Ear en spray. Parfait. Donc je préfère les sprays au final ou les sticks, c'est plus rapide et moins contraignant. Voilà. Mais sinon il est très 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 bien. Ensuite, eh bien, j'ai fini encore un sérum à la vitamine C. Donc c'est de la marque Aurica, vitamine C sérum, avec 20% de vitamine C, de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Et avec du gel d'aloe vera à l'intérieur. Alors celui-ci, il n'y avait pas d'odeur, texture plutôt liquide, et je ne saurais pas trop quoi vous dire dessus. Je sais même pas si je me suis pas fait avoir, parce que ça, pour essayer, je l'ai pris sur Amazon. Mais sincèrement, Made in China. Alors je sais, faut pas avoir d'a priori, mais moi quand il y a écrit Made in China et que c'est vendu sur Amazon, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Je sais même pas si au final il n'y avait pas que de l'eau dedans. Voilà. Parce qu'en plus, j'ai pas vu un grand effet particulier dessus. Donc ça, je vous le déconseille. Si vraiment vous voulez des sérums à la vitamine C, partez sur soit des sérums très très chers pour vous faire plaisir, comme Blue Alchemist, ou alors des sérums très peu chers, mais qui ont une réelle efficacité et qu'on sait d'où vient la provenance des ingrédients, comme par exemple Timeless. Voilà. Et on va finir avec
ceci, qui est un sérum de chez Hollywood Skincare, donc le Reinvented Age Antidote Serum, qui est avec du rétinol 2,5%, et puis il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine C, de l'astaxanthine. Je vais y arriver, si tu parlais moins vite aussi, tu t'étoufferais pas. De la vitamine E, des niacinamines, du thé vert, quoi, vraiment de très très belles choses pour un tout petit prix. Vous pouvez trouver Hollywood Skin eh bien, soit sur leur site directement ou sur Amazon. Et vraiment, je l'ai adoré, celui-ci, je l'utilisais du coup le soir. Parce que quand il y a du rétinol, je préfère utiliser le soir que le matin, même si normalement le rétinol n'est pas si photosensibilisant que ça en journée. Voilà, et donc ça c'est un sérum vraiment anti-âge, c'est vraiment pour réhydrater, régénérer, réparer et empêcher de vieillir. Voilà, donc on finit sur une note de rajeunissement. Voilà mes amours, cette vidéo produit terminé est terminée. J'adore faire ce jeu de mots qui est pourri, qui est à chier, mais qu'est-ce qu'on s'est régalé et encore des rimes, quel poète que je suis. Oh là 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 là. Bon bref, allez, j'arrête de m'emballer. En tout cas, comme d'habitude, en commentaire, vous me mettez votre avis, vos questions, peut-être aussi vos réponses, voilà, c'est-à-dire si vous avez des solutions, des idées à me donner. Et bien évidemment, si vous avez besoin, vous, que je vous conseille des produits en particulier pour votre peau, pour votre type de peau, pour vos besoins vraiment à vous, et bien n'hésitez pas à aller voir mon site SofKipo, où je pourrais vous préparer, vous construire une routine exprès et formulée pour vous. Voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros, 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 gros. Oui, oui, oui. Bisous.